Les joueurs du FC Barcelone ne seront plus autorisés à jouer au padel. Cette mesure vise à protéger la santé des joueurs, suite aux préoccupations concernant leurs conditions physiques soulevées par ce match. Les Catalans sortent d'un match nul face à Majorque. Après un match nul et décevant contre Majorque 2-2 mardi soir, Xavi et son équipe ont pris une décision sans équivoque, interdire le padel aux joueurs. Un sport très apprécié au sein de l'équipe Blaugrana. Après le match nul du FC Barcelone face à Majorque 2-2, Xavi s'était montré très critique envers son équipe. En réaction, l'entraîneur espagnol a décidé d'interdire le padel. Sport très pratiqué par les joueurs. Cette mesure vise à protéger la santé des joueurs, suite aux préoccupations concernant leurs conditions physiques soulevées par ce match. Les joueurs ne pourront donc plus pratiquer le padel dans les installations du club, malgré sa popularité croissante. Désormais, ils devront suivre ce sport depuis leur écran de télévision. Cette décision peut surprendre, mais elle illustre l'engagement de Xavi envers la santé de son équipe et son désir de maintenir un environnement propice à la performance sur le terrain de football. Le padel, mélange de tennis et de squash, avait séduit de nombreux joueurs du FC Barcelone, mais ils devront maintenant mettre de côté ce sport pour se concentrer sur le football. Malgré le caractère strict de cette interdiction, elle démontre la détermination de Xavi à préserver la santé de son équipe, tandis que les fans du padel devront désormais soutenir leurs joueurs préférés depuis les gradins virtuels.